Là, on est parti dans un de nos restos préférés pour manger des petites, j'allais dire des moules, des huîtres. Et donc, on va manger des huîtres. Voilà. J'avais envie d'huîtres. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. 3 jours, 4 jours ou un truc comme ça. Ouais, peut-être 3-4 jours. Et du coup, on est parti manger un petit peu avant de faire ici. Bon, là, il va me faire goûter un truc très. J'ai vu en photo. Ça a l'air d'être très bizarre. Je sais pas si je vais réussir à couper. C'est des couteaux. Des couteaux cuits. Je connais pas du tout, mais le visu donne pas trop envie. Donc on va voir. Bon, c'est ça? C'est très très bon. Okay. C'est très manifeste. Ça manifeste. Si ça manifeste, on va voir. Ah. On dit santé quand même. Santé, chérie. Santé. Mmh. Ah non. Ça, c'est des couteaux. C'est carré. C'est quelle couleur? Turquoise. Oui, bravo. Et autour? Vas-y, tu vois. Vas-y. Quoi? Ouais. Mais je suis hésitant parce que je sais pas. Okay. Donc là, on est sur un gros problème. T'es en train de... En train de si, mais tu t'es pas trompé. Mais les gens vont pas comprendre pourquoi tu me demandes c'est quoi le nom des couleurs. J'en peux plus de toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon chéri est daltonien. Donc je pense qu'on a plein de daltoniens. Mais là, c'est très compliqué parce que du coup, je lui demande, demain, je dois refaire la couleur de mes ongles. Et je lui demande de choisir une couleur. Et je vais vous montrer la couleur qu'il m'a choisie. Sauf qui. Non, j'ai dit blanc. C'est au moins, c'est... j'étais sûre du truc. Au début, non. Tu m'as dit c'est joli ça. J'ai screené. T'es vraiment. T'es un monstre. Et attendez, je vais demander qu'est-ce qu'il voyait comme couleur, je me souviens plus. Et là, tu vois quelle couleur? Je t'avais dit c'est quoi? C'est nude, c'est rose. Tu m'as dit c'est nude rose. Rose. C'est rose. Mais c'est pratique, au moins j'aurais mis ça. Tu m'aurais dit c'est nude rose. Pastel. Donc en fait j'ai fait ça. Ça fait 2 semaines que je les ai. Et ils pensaient que j'avais du vert. Sinon t'en as pas marre de foutre de ma gueule. C'est couleur banane. Banane. Mais c'est vrai que non. Non, ça fait pas vert quand même, tu m'as dit. C'est trop bien de sortir avec un daltonien. Parce que du coup, enfin, c'est bien oui et non, parce que du coup, des fois, tu mets une belle robe d'une belle couleur et ils pensent que tu es en couleur pas très belle. Du coup, maintenant, je vais te demander à chaque fois que je mets un habit, quelle couleur tu vois. Par contre, pour faire la peinture à la maison, ça ne sera pas lui. Et voilà, après le bon petit resto, donc là, en plus, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir vraiment voir le avant-après de tout. Parce que vu que je ne suis pas maquillée et qu'il n'y a pas de filtre, pour le coup, vous allez voir mes cils avant, après. Alors, il y a qu'ici, comme d'habitude, où ils touchent mes ongles. En plus, on va se voir 2 fois. C'est trop, quoi. Girls, les copines, qui s'occupent de moi. Demain, c'est Anaïs qui s'occupe de mes beaux pieds. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment voir le avant-après, du coup. Ah. Au sourcil. Anaïs, toi, c'est la micropigmentation. De base, elle fait l'aide, ça s'efface. Donc, pour le coup, là, elle me fait une teinture. Allez voir, hybride, une teinture hybride et elle dure hyper longtemps. Je l'ai fait avant de partir en tournage. Pendant tout le long du tournage, je l'avais. Genre, j'avais pas besoin de mettre. Du coup, je vais pas faire les extensions. Elle le fait aussi ici, mais ça, je le fais pas. Par contre, elle me fait le rehaussement plus teinture.